as le statut de fonctionnaire. Mais tu as quand même du temps libre et tu souhaites créer une activité commerciale à côté pour arrondir tes fins de mois ou en tout cas te créer un revenu complémentaire, un autre revenu que ton salaire de fonctionnaire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment cela est possible, si cela est possible et on va tout voir pour répondre tranquillement à ta question. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Damien Lamy, entrepreneur et investisseur et auteur du livre best-seller Les clés de l'immobilier, rentable et sécurisé. Dans cette vidéo, on va voir si en tant que fonctionnaire, tu peux tout simplement créer une activité commerciale. C'est quoi une activité commerciale? C'est une activité que tu vas pouvoir facturer, une prestation de service ou tout commerce que tu vas pouvoir facturer, c'est-à-dire tu vas rendre un service, tu vas faire un commerce, vendre quelque chose. Vendre du temps ou vendre une prestation, vendre des articles, tu vas faire commerce qui va te permettre de gagner de l'argent. On fait ça soit en auto-entreprise, tu dois connaître, soit en société commerciale de type SASU, si tu es tout seul, SAS si tu es à plusieurs, EURL, SARL, etc., etc. Donc, c'est une activité commerciale. Pour te donner une idée, c'est différent de la société civile immobilière là, que tu vas créer quand tu vas acheter de l'immobilier, qui est une activité civile. On estime que la location de biens immobiliers, c'est de l'activité civile. Là, c'est une activité commerciale. Donc, tu vas faire un vrai commerce. Et c'est là qu'il peut y avoir un souci. Parce qu'en tant que fonctionnaire, bien souvent, on va demander à ce que toute ta tête, tout ton cerveau, au moment où tu peux travailler, soit pour ton contrat initial de fonctionnaire. Et on ne va pas te laisser, dans bien des cas, faire une autre activité à côté. Et tu vas me dire, je fais ce que je veux à côté. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer et te décrire les règles de l'art. Ensuite, entre guillemets, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que qui n'est pas pris, n'est pas pris. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux, tant que tu n'es pas pris, la main dans le sac, entre guillemets, tu ne seras pas en tort. Par contre, si tu es pris la main dans le sac, alors je ne sais pas, chez les fonctionnaires, si tu as d'abord des blâmes, un blâme, deux blâmes, trois blâmes, ou si on te demande tout simplement de choisir. Et là, ça peut être difficile parce que si tu as une société qui commence à faire de l'argent, que tu es le seul actionnaire et qu'on te demande de choisir entre ton métier de fonctionnaire et ta société, attention. Donc là, on va rester dans les règles de l'art et j'aime bien de toute façon, même si des fois, je vais sur la ligne et être borderline, ne me gêne pas, mais j'aime pas aller du côté interdit à 100% parce que le risque n'est pas mesuré. On a, limite, ce n'est pas un risque, on est directement sur le problème. Et moi, j'aime bien prendre des risques que je comprends, des risques que je peux mesurer et que je peux assumer, tout simplement. Donc là, on va rester dans le cadre, dans les règles de l'art. L'activité commerciale, si tu fais une activité commerciale complètement différente de ton métier de fonctionnaire, dans une grande majorité des cas, ça va être refusé. On va estimer, ils vont estimer que ce n'est pas conforme, ce n'est pas compliant à ton activité de fonctionnaire, ton activité première de fonctionnaire, parce que tu dois donner l'ensemble de tes capacités, entre guillemets, à ton métier de fonctionnaire. Maintenant, il y a des cas particuliers, et je vais donner un cas très simple. Tu es fonctionnaire dans des activités sportives, et à côté de ça, tu demandes à ouvrir une auto-entreprise de coach sportif. Là, il y a un lien très étroit entre l'activité que tu fais en tant que fonctionnaire et ton activité que tu vas faire en tant que ton activité commerciale que tu vas développer à côté. Là, il y a de fortes chances que tu aies un OK de la part de ta hiérarchie. Parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas, ce qui est bizarre, hein, c'est tout le contraire de ce qu'on dit malheureusement, c'est qu'en fait, il n'y a pas un développement de nouvelles compétences et tu ne vas pas aller chercher une autre activité. Et du coup, ça, je pense que ce qui est derrière, c'est que ça ne va pas te demander tant de temps que ça d'aller développer du coaching perso parce que c'est ce que tu fais au quotidien et c'est ce que tu connais. Par contre, tu irais vendre des produits sur un marché le week-end, tu pourrais sur le principe. Là, tu as beaucoup plus de chances que d'avoir un non, car ils ont je pense que c'est une non-maîtrise en fait des compétences que tu vas faire par ailleurs et du temps que tu vas y consacrer. Dès le moment où tu vas faire une activité commerciale en lien étroit avec ton activité de fonctionnaire, tu as des chances assez fortes que ça soit accepté. Dès le moment où tu vas faire une activité commerciale complètement différente, aucun lien
avec ton activité de fonctionnaire, tu as de grandes chances que ça soit refusé. Mais dans tous les cas, là où ils vont mesurer et ils vont être très stricts là-dessus, c'est l'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit clairement que ton activité de fonctionnaire pèse largement plus dans la balance que ton activité secondaire. Que ça reste vraiment primaire secondaire, qu'on reste sur une activité très 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 secondaire. Sinon, ils vont estimer que tu y consacres trop de temps par rapport à ton activité de fonctionnaire, ton activité qui devrait être principale. Donc par rapport à ça, tu as deux possibilités, j'ai envie de te dire. Donc si tu te posais cette question, c'est vraiment que ça t'intéresse de monter quelque chose ou que tu as déjà monté et tu te demandes si tu es borderline ou pas. Donc premier cas, un peu la méthode, tu t'en bats les steaks et du coup tu continues comme si de rien n'était et tu verras si tu te fais prendre, sachant que vu le nombre de fonctionnaires et le nombre de personnes qui contrôlent, tu n'as pas énormément de chances d'être pris si tu fais bien les choses. Mais en tout cas, ce n'est pas ce que je te recommande officiellement sur une vidéo, mais c'est un cas possible. Et le deuxième cas, c'est, enfin il y a trois cas du coup, le deuxième cas c'est de développer une activité qui est étroitement liée à ton activité première, faire attention à ton chiffre d'affaires que tu vas générer, je te laisse libre cours à ce que tu souhaites, si jamais tu n'as pas d'idée, n'hésite pas à m'envoyer un email dans ces cas-là sur damien@focusnu.fr, je pourrais te donner des idées, mais voilà, au numéro 2 tu as cette possibilité et en numéro 3 tu as la possibilité de faire comme un bêta test, c'est-à-dire que tu as ton activité principale de fonctionnaire, tu développes une autre activité commerciale et à un moment, tu regardes ce qui marche le mieux. En gros, le facteur identique, c'est ton cerveau, tes bras, tes jambes. Donc, tu as une même personne et tu arrives à gagner 3000 euros d'un côté. Et l'autre côté, tu prends le même temps ou même deux fois moins parce que tu as moins de temps et tu arrives à gagner l'équivalent de 6000 euros. Et bien, ton test, le facteur qui était un peu différenciant, c'était l'activité que tu y fais. Et du coup, tu vas voir par rapport à ça, que dans ton activité qui était secondaire, en fait, si tu la passes en principale et limite que tu demandes une disponibilité au niveau fonctionnaire, ça va te faire gagner beaucoup plus d'argent et peut-être en plus t'épanouir beaucoup plus. Normalement, dans le fonctionnariat, tu peux demander des disponibilités, donc libre à toi de la demander et si jamais ça ne marche pas, tu pourras toujours récupérer ton poste. C'est quand même quelque chose de magnifique en tant que fonctionnaire d'avoir la possibilité d'avoir des disponibilités et de tenter quelque chose à côté. D'ailleurs, dans mon livre « Les clés de l'immobilier rentable et sécurisé », à un moment, je parle de finances personnelles. Et quand on dit qu'on n'a pas assez d'argent, par exemple, il y a plusieurs possibilités pour en créer de l'argent. C'est soit travailler plus, soit développer une compétence qui a plus de valeur que la compétence qu'on monétise à l'heure actuelle. C'est très important de se poser cette question. Ça peut changer en fait ta façon de voir. Aujourd'hui, par exemple, tu penses que tu ne gagnes pas assez. Est-ce que tu n'as pas une autre compétence qui peut être monétisée plus cher ? Et potentiellement une autre compétence qui va encore plus t'épanouir. Parce que si tu es très épanoui dans ton travail, tu peux être le leader, la star de ton travail. Dans ces cas-là, dans n'importe quel travail, tu vas pouvoir gagner plus parce que tu seras devenu une star. Et si tu es devenu une star, tu es devenu l'élément que tout le monde veut s'arracher. Et l'élément que tout le monde veut s'arracher dans n'importe quel métier, ça sera un élément qui sera donc valorisé avec une plus forte, un plus fort prix, une plus forte valeur, tout simplement. D'ailleurs, pour finir cette vidéo, je t'offre mon livre « Les clés de l'immobilier rentable et sécurisé ». Donc, tu trouveras le lien dans le petit « i » ou dans la description de la vidéo. Tu as juste à payer les frais de traitement et je t'envoie directement à la version papier dans ta boîte aux lettres. Donc, mets-moi en commentaire si, où tu en es de ta réflexion. Tu t'es posé la question, est-ce que fonctionnaire, tu peux avoir une activité commerciale? Dis-moi en commentaire où tu en es dans ta réflexion. Est-ce que tu as passé le pas? Est-ce que tu as demandé à ta hiérarchie? Est-ce que tu as tranché et c'est non? Ou est-ce que tu as tranché et c'est je teste? Est-ce que tu as tranché et tu as pris une disponibilité? Voilà. Mets-moi en commentaire là où tu en es. Ça m'intéresse de savoir comment réagissent un peu les fonctionnaires par rapport à ces restrictions, cette rigueur dont on peut se douter. Il n'y a pas que des avantages à être fonctionnaire. Après, il y a aussi beaucoup d'avantages selon. Et puis, il y a des métiers très intéressants quand on est fonctionnaire. J'ai Didier qui est membre du club privé, qui est fonctionnaire et qui kiffe son travail et qui kiffe le lifestyle qu'il a grâce à son travail. Donc, c'est pour dire que là-dessus, un petit aparté, mais il n'y a pas un monde contre l'autre, il n'y a pas l'entrepreneuriat contre le salariat, il n'y a pas les fonctionnaires contre le secteur privé. Il y a juste qu'est-ce que tu veux dans la vie et qu'est-ce qui te fait kiffer et là où tu veux aller. Et par rapport à ça, tu te dessines exactement le paysage de la vie que tu veux. Le seul truc qu'il ne faut pas, c'est une fois que tu as dessiné ce paysage, tu fais semblant, tu reviens à un monde d'avant et tu fais semblant en fait de mettre ça de côté et d'être heureux. Là, tu te mens à toi-même et là, ce n'est pas bon. Mais dès le moment où tu ne fais pas ça, et si ton paysage, c'est faire 9h, 17h dans un travail qui te fait gagner un salaire d'où tu ne te plains pas, tu arrives à vivre et tu es heureux comme ça, tu es heureux en famille et tu arrives à faire un ou deux investissements à côté,
Et c'est ok, tu as raison de le faire. Il n'y a pas besoin de changer si c'est comme ça que tu es heureux. Par contre, il faut être vraiment heureux comme ça, faut pas se mentir. Il y a une personne à qui tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Donc tu te regardes dans un miroir et tu regardes si la vie que tu as aujourd'hui, c'est réellement la vie que tu veux. Si c'est le cas, c'est ok. Mais attention, ne te mens pas parce que le temps passe. On n'est que de passage. Et Maxence Rigottier, qui a écrit la préface de mon livre, je lisais une de ses news il n'y a pas longtemps. Plus tard, c'est trop tard. Le temps passe, on a des unités. Tac, 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 tac. Et à chaque fois que le temps passe, on laisse passer du temps derrière nous et on se rapproche tout simplement de notre moment de mort. Alors c'est gore ce que je dis, mais c'est la vérité. Tu te rapproches de ta mort, plus le temps passe. Et par rapport à ça, tu te dis, ok, si c'est demain, est-ce que j'aurais fait la vie que je voulais? Est-ce que j'aurais pris en compte les actions que je voulais? Est-ce que j'aurais kiffé comme je voulais kiffer? Et quand tu te poses cette question, ça va te permettre juste d'avoir la niaque de passer à l'action. Donc pour finir et conclure sur cette vidéo, si tu t'es posé cette question, c'est que tu avais des interrogations. Par rapport à ça, tu as eu des éléments de réponse. Je t'encourage à prendre une feuille et à écrire ce que tu as compris par rapport à ça et l'action, au moins une action que tu prends grâce à cette vidéo, après cette vidéo. Tu ne t'autorises pas à regarder une autre vidéo ou à aller sur Instagram ou sur Facebook tant que tu n'as pas pris une action. C'est écrit. Ça ne veut pas dire que tu l'as fait. En tout cas, tu la prends, tu la notes. Elle est scellée. Et comme elle est écrite dans ta tête, ça va libérer un peu de charge mentale et ça va te permettre au fur et à mesure, par la règle des petits pas, de changer ta vie, de passer à l'action. Donc si tu as aimé cette vidéo, en tout cas, like-la, partage-la à tes amis et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!